Salut à tous, et bien si vous êtes encore là, c'est que le sujet vous intéresse. La première partie c'était vraiment que l'entrée, là on arrive au plat de résistance, place à un nouveau format avec l'entretien avec Franck qui va un petit peu me donner un œil nouveau, un regard extérieur pour mieux voler, pour donner quelques conseils de son expérience à lui. Il faut savoir que Franck, je le connais depuis 2-3 ans et actuellement il est en train de passer sa formation pour devenir moniteur. On va essayer de répondre à quelques questions que sans doute vous posez aussi. Et je vais essayer de chapitrer cette vidéo pour que vous puissiez naviguer d'un moment à l'autre qui vous intéresse, puisqu'il y a un petit peu de matière, c'est un petit peu long, mais j'ai pas voulu en couper trop parce que c'était super intéressant. Allez, c'est parti. Voilà, ben salut Franck, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous faire un petit débriefing un petit peu externe. Je pense que c'était intéressant d'avoir un avis d'un pilote un petit peu plus expérimenté qui a beaucoup fait ce parcours. Donc, je vais te laisser te présenter d'abord. Ben, salut, je m'appelle Franck. Je suis pilote de parapente également comme Baptiste. Un petit peu plus aguerri que Baptiste, mais je tiens à préciser que tout ce que je vais dire, ce n'est que mon avis. Ça n'engage que mon avis sur la situation. Il y a des pilotes bien plus expérimentés que moi qui ont fait ce parcours-là encore plus de fois que moi. Et du coup, ça va refléter que mon expérience et mon avis sur ce qu'a fait Baptiste et partagé avec lui. Tu es passé quand même 50 fois, c'est un parcours que tu as fait, que tu as brossé pas mal. Donc pas voilà. 50 fois, mais ouais, je l'ai fait un certain nombre de fois. Donc on va commencer, on va voir un petit peu la trace un jour où on s'est retrouvé sur le même parcours et puis on va comparer un peu les cheminements, etc. Puis on posera des questions après. Ouais, c'est surtout comparer, avoir une idée de l'efficacité en fait de ton parcours et se rendre compte des moments où tu as eu des hésitations, tu as eu des doutes, et c'est plutôt partager ces doutes et essayer de te rassurer sur ta capacité à bien voler et à voler de manière super chouette en fait. Essayer de gagner en efficacité pour gagner sur ta vitesse et ton temps de parcours, etc. Parce que je pense que là, le parcours, maintenant, tu l'as compris, tu le connais, je ne vais pas dire qu'il est maîtrisé, mais tu connais toutes les difficultés du parcours. Et là, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut un peu l'optimiser un peu plus et puis voir que ce jour-là, on a fait presque le même parcours et je suis allé beaucoup plus vite, mais ce n'est pas dû au fait que je sois meilleur que toi, c'est juste que j'ai pris des options un petit peu différentes et que ça m'a permis d'aller plus vite ce jour-là, quoi, en fait. C'est toujours tout droit quand on part de VRL et qu'on voit que de toute façon la masse d'air ce jour-là, la seule chose qui est intéressante à regarder au début, c'est que la masse d'air porte, puisqu'on voit que sur cette section-là, je monte tout de suite, que je ne fais pas un seul virage pour pouvoir avancer. Voilà, je vais faire 3S globalement pour aller me mettre sur les falaises supérieures du CIR, là, enfin au-dessus au niveau de l'Orionde. Je passe le Pertuiset et tu décolles à peu près à ce moment-là. Au moment où je passe le Pertuiset, tu décolles du Revard. Et je passe devant le Revard en faisant la laisse de chien et on voit très bien que globalement ça remonte. On se croise juste au niveau de la Tour des Ébats. Alors, je vais mettre une petite pause à cet endroit-là parce qu'on voit que déjà au niveau de l'altitude, si on zoome, je suis plus bas que toi. Toi, tu cherches déjà à faire un plein, ce qui n'est pas négatif. Hein. C'est super bien de vouloir assurer son plein. Mais si tu veux, au niveau déjà de ton parcours, tu vois, t'es plus haut que moi. Moi, j'arrive plus bas et je me dis, c'est bon, je tente la transition. Parce que je sais que la masse d'air, depuis vers elle porte. Donc, ça veut dire que forcément, sur Bange, quand je vais arriver, elle va porter. Ah oui, c'est que tu avais aussi un petit peu expérimenté le bas avant moi. Moi, je pars directement de 1005 du Revard. Je me dis, mince, je ne sais pas comment c'est au niveau de la forêt. J'ai envie d'assurer le caillou. Il y a plein de fois, je me suis retrouvé en forêt. Ouais. Et où c'était moyen, donc... Mais ça, en fait, tu pouvais déjà le voir parce que dès que tu sors du Revard, regarde, dès que tu sors du Revard, tu prends un gros thermique et tu te poses pas la question sur ton cheminement ici, tu perds quasiment pas d'altitude, en fait. Donc, tu peux déjà savoir que à 1005 ou à 1006, tu vas être toujours bien. Donc, tu sais qu'à ces altitudes-là, tu n'es pas à 900, tu n'es pas à 800, tu n'es pas dans la basse couche. Et on reste au mois de mai. Tu vois, et au mois de mai, tu sais que ça va être plus thermique et ça va potentiellement plus porter que ces jours-ci avec la masse d'air hyper chaude qu'on a en ce moment. C'est vrai que moi, j'ai tendance à retenir ce qu'on m'a dit au tout début. La transition pour la Banche, c'est de temps. Tu vois, on a un peu des repères pour la finesse et effectivement, ça ne prend pas en compte. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, et beaucoup plus nuancé. Et en fait, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est valable
à cette saison-là. Et il y a des jours en été, il faut prendre plus, etc. Exactement. Il ne faut pas prendre chaque vol est particulier et ce n'est pas une généralité qu'on donne. Et c'est pour ça que se dire « il faut tant pour faire telle transition », c'est jamais vrai en fait. C'est, ça donne des vagues repères, mais ça dépend. Et là, tu me suis dans la transition. Et je me suis dit, ah tiens, ça y est, il suit, c'est chouette. Je me suis même retourné pendant la transition pour regarder si tu étais là. On raccroche vers le col de la Cochette. Là, tu prends une super ligne, c'est super chouette. Et tu vois, on continue sur le milieu de Bange. Et là, tu prends un thermique. Super d'avoir pris ce thermique, c'est génial. C'est une super solution de monter à ce niveau-là de Bange. Moi, je suis convaincu que c'est une bonne méthode. Faut juste savoir que si tu te fais déporter, regarde, hein, on voit déjà que ici, tu te fais souffler. Parce que sur Bange, c'est quasiment systématiquement qu'on se fait pousser par l'ouest. Ah ouais, c'est mon gros problème sur cette montagne-là, c'est que je suis toujours après au-dessus de la forêt et je repère une partie de mon altitude en essayant de recoller sur l'ouest, sur les falaises. Exactement. Et c'est pour ça que ça ne sert pas à grand-chose en fait. Et que le cheminement sur ces falaises-là... Il faut que j'essaye un jour de faire totalement un cheminement. Et super important. Il faut que tu sentes la masse d'air. Mais c'est pas mauvais. Maintenant, les thermiques, je les sélectionne un peu mieux qu'avant. Et je me dis, celui-là, il devrait monter plus droit et moins se faire décaler. Mais on est décalé quand même. Tac. Et là, on voit que globalement, tu repasses. Non, mais je repère tout. Là, je me gueule dessus. Je sais pas comment me placer. En fait. Je sors de ce thermique. Je sais qu'il faut que j'aille vers le Semnose, mais je sais pas si je dois rester au-dessus de la falaise parce que je voyais des cumulus qui étaient un petit peu au-dessus et je sais pas comment rester sur la bonne ligne. Est-ce qu'il faut que j'aille carrément tout de suite rechercher en ouest ou mais trop tard, c'est fait. Ah, je me fais appuyer au-dessus de la forêt. C'est pas bon. Il faut que je me contourne un peu en ouest. Les nuages, ils sont juste là, les barbules. Et tu vois, le thermique que tu as pris, il t'a servi à rien. Non. Moi, je chemine là et j'arrive plus haut que toi au même endroit. Parce qu'en fait, ici, tu as deux problèmes. Et c'est un problème qui est, je vais dire, récurrent chez toi, mais c'est un problème dont je t'ai déjà parlé. Tu sors sous le vent du thermique. Regarde, quand tu fais ton dernier tour là, le thermique, il te pousse comme ça. Pourquoi tu sors par l'arrière du thermique au lieu de sortir par l'avant du thermique? D'accord. Donc du coup, c'est là tu vas te retrouver un peu en mode effet bagnard, poussé. Tu vas être sous le vent du thermique plus sous le vent de ce flux qui vient lécher la montagne à cet endroit-là. Mmh. Donc du coup, c'est double peine en fait. Alors que en passant juste à l'ouest sur la crête, tu avances et tu te fais pas dégueuler la gueule. La sortie du thermique, c'est vachement important aussi. C'est sûr que des fois, je me dis, là, ça ne bippe plus, donc je le quitte. Et des fois, je ne réfléchis pas au sens où il faut le quitter. Et voilà, c'est ça. Il faut que tu réfléchisses à comment est-ce que tu vas quitter ce thermique. Ouais. Globalement, si on recule et qu'on regarde, j'ai fait 3 virages au niveau de l'Orionde et je n'ai pas fait un virage après. Tu es confiant après au bout de Bange. C'est vrai que moi, c'est un truc qui me faisait peur. Donc je me dis, j'assure le max que je trouve et c'est sûr quoi. Au bout de Bange, on peut même partir quasiment sous la crête à certains moments. Alors, peut-être tu te souviens, je l'ai fait c'était avec Sylvain, au mois d'avril, quelque chose comme ça, ou au mois de mars, je ne me souviens plus de cette année. Et avec Sylvain, on est parti sous la crête et ça fait en fait. Ça fait, parce que là-dessus, parce que j'étais super instable et que la raccroche au Semnose, celle que tu t'as plantée déjà plusieurs fois, moi aussi, je l'ai plantée. Mais il n'y a pas tout le monde va la planter à Bobo ou un autre. Là, la basse couche était pas mal, comme on le voit, puisque ça montait bien au sortir de Vérel. Donc, j'avais pas de doute sur le fait que la raccroche se passe bien au Semnose ce jour-là. D'accord. Donc là, moi, je pars déjà en transition. Je suis au-dessus de la crête. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas revenir et là, tu fais le choix, tac. Et là, on regarde. Là, je vois mon altitude et je me dis, je suis à 1200 mètres, 1200 mètres, c'est impensable pour moi que je parte. Je me dis minimum 1500. Donc, c'est ce jour-là que je me dis, tant pis, je perds du temps, je vais chercher à… Là, tu as l'air d'être au niveau de la crête, tu es d'accord? Ouais. Donc, pour moi, t'es… Parce que 1200, c'est vraiment au niveau de ces petites falaises-là, là, tu vois. Ouais. Donc, je pense que tu es plutôt à 1400, donc c'est peut-être l'indication sur l'écran qui n'est pas hyper bonne. Faut être patient, je vais pas me jeter maintenant, ça c'est sûr. Regarde. Chaque fois que je prends un thermique, forcément. Donc là, tu remontes. Là, c'est partable. Là, tu peux déjà y aller.
Bon, tu remontes, tu continues à remonter, ça c'est chouette, très bien, très bien. Plus je remonte, et regarde, plus tu remontes, plus tu te fais décaler. Donc tu reviens en arrière, ta ta ta, tu niaises un coup. Ah, ça me plaisait pas la forêt. Hop là. Bon, là tu reviens en arrière pour aller choper le thermique des falaises. Donc tu le cherches là, c'est cool, hein. Enfin faut le chercher. Après, là, t'as pas besoin de revenir jusque là. Hein. C'est loin là. Hein. Mmh. C'est loin parce que regarde. T'as le même problème que tout à l'heure. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire que là, tu pars. Et alors, là, ta ligne est meilleure. Hop, je vais juste mettre une pause pour regarder. Ta ligne est meilleure que tout à l'heure, d'accord? Tu pars à peu près à la même altitude qu'avant, un petit peu plus avancée, décalée. Je suis sûr que si on enlève la pause, tu vas arriver à peu près à cet endroit-là, à la même altitude à laquelle tu étais quand t'as enroulé ton autre thermique. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est vrai. Tout ce que tu as fait là pendant 25 minutes ne t'a servi à rien en termes d'efficacité. Non, sur le moment, tu es content d'être remonté, et puis quand tu te restes du chemin, en fait, non. Tu n'étais pas remonté en fait. Non. Donc regarde, tac, bon, là tu prends un petit coup de bonus. Ah oui, là je me souviens de cette trace-là. Et là tu fais la même erreur. C'est-à-dire que tu ressors encore une fois, presque sous le vent du thermique. Bon, tu te fais décaler de la mort là. Là, il faudrait que tu te dises, je vais taper en vallée. Alors regarde, on va voir la différence au niveau de la trace. Et regarde, là c'est tout à fait typique. Regarde comme tu te fais dégueuler au début de ta transition. D'accord? Regarde cette grosse chute que tu as. Alors que si on prend l'autre côté, la ligne rouge, je ne dis pas que je suis un exemple, hein. Ce n'est pas du tout mon propos. Hein. Je dis que ce jour-là, à ce moment-là, avec cette masse d'air-là, en prenant plus à l'ouest, ça fonctionnait beaucoup mieux. Et ça, ce sera quasiment tout le temps le cas en fait sur cette transition-là. Prendre plus à l'ouest va systématiquement quasiment mieux fonctionner. On va regarder. Et là, regarde, tu te fais dégueuler. Et tu prends en fait systématiquement ici la direction de l'épaule. Regarde comme tu as pris la direction de l'épaule. Et là, on voit la différence d'altitude, mais c'est flagrant, hein. Ok, j'ai une aile qui est un petit peu plus performante que toi. Ça reste qu'une B+, hein. Ouais. J'ai pas une C, j'ai pas une D. Est-ce qu'en étant autant décalé, il faudrait carrément que je revienne complètement derrière, faire une grosse laisse de chien au risque que je... J'en suis plus que convaincu, ouais, bien sûr. Est-ce que ça va me faire beaucoup de distance? Est-ce que c'est... Et regarde, je fais beaucoup plus de distance que toi, si on dézoome. Je fais une distance qui est bien plus importante que la tienne. Je pars à une hauteur moins importante que la tienne, j'arrive à une hauteur plus importante que la tienne. Parce qu'en fait, je te l'avais dit dans un de mes SMS, et ce que j'ai apprécié dans notre échange, c'est que j'ai essayé toujours de te dire « Regarde, fais ça !» Et c'était cool parce que t'écoutes ces conseils-là et c'est super bien. Mais là, tu vois, tu prends directement la direction de l'épaule. Oui, mais il y a un truc qui me perturbe en ce moment, c'est que sur mon cap et sur la trace, je ne me rends pas compte de ma dérive. Parce que des fois, j'ai l'impression de viser le village et en réalité, sur la trace, on va voir comme si j'avais complètement ignoré ça. Okay. Et pourtant, je t'assure que j'ai visé le village un petit moment. Ok, bon. Tu sais comment jauger ta dérive? Ben non. C'est très simple. Pour voir ta dérive et pour pouvoir la corriger, là, tu me disais, ouais, j'ai visé le village de Gruffy et tout. Il ne faut pas juste viser le visage en fait. Il faut toujours que si tu veux être capable de juger ton angle de dérive, il te faut systématiquement deux points. Si tu ne prends qu'un seul point, tu vas avoir un point sur ton horizon, tu peux te déplacer autour de ton point. Tu auras toujours ton point en ligne de mire. D'accord ? Si tu prends deux points, avec toi, ça va faire un troisième point et tu vas devoir aligner ces deux points en permanence. Et si tu les alignes, tu sauras si tu te décales par rapport à ton cap ou pas. Et tu sauras de combien tu te décales. Et du coup, ça te permettra en permanence de replacer ton aile. De te dire, ah ben voilà, ok, ah ben mon aile, mon cap, il est comme ça, donc je vais avancer sur ce cap. Donc, il te faut vraiment ces deux points-là. Sinon, si tu gardes qu'un seul point, tu peux te faire pousser. Tu auras toujours l'impression d'aller vers ce point, d'aller vers ton point. Ouais, c'est vicieux. Tu prends le village et le chiron, tu prends quoi comme... Par exemple, une bonne méthode. Tu prends un point qui est plutôt assez proche de toi, enfin relativement proche de toi, et un point qui est plus loin. Ton cap, quand tu sors et que tu commences cette transition, ça doit, pour moi, hein, encore une fois, c'est qu'un avis personnel, mais ça doit être le village de Gruffy, d'accord? Et en te disant, ben voilà, je vais passer le plus à gauche possible, donc je vais prendre un cap qui peut être effectivement à gauche du pont de l'abîme, là,
on voit, tu peux viser là. Et donc, tu dois, quand tu pars là, tu te dis, bah voilà, je prends cet alignement-là et je vais en direction du village. Et non pas, je ne vais pas en direction de l'épaule. Tu vas vraiment en direction du village. Je me souviens de t'avoir envoyé un message en te disant, mais tant que tu n'as pas passé... Oui, ça, je me reste en tête, ça. Ouais, tu... ouais, il y est maintenant, ça y est. Tant que tu n'as pas passé le chérant, tu vas interdit d'aller sur l'épaule, tu vas sur le gruffy. Exactement. Tu continues sur le gruffy tant que tu n'as pas passé le chérant. Ce que j'ai fait la semaine d'après, sur mon grand tour des Bauges, où j'ai chopé mon petit bonus. Exactement. Et on le reverra après. Et c'est sur cet intérieur de l'épaule que va venir taper la brise, en fait. Ouais, ouais. D'où l'importance de, si tu sais que tu vas être en régime de brise, de taper tout de suite le plus possible à gauche pour pouvoir taper à l'intérieur de l'épaule. Ok, alors, du coup, on fait un point sur la topographie. Comment est censé taper la brise? Le site, il est fait, en fait, dans un flux de sud-ouest ou dans un flux de nord-ouest, j'imagine, ça change un petit peu les choses suivant la portance de l'épaule. Alors moi, je n'ai pas remarqué que ça changeait tant que ça, en fait, au final. Non, pour moi, pas tant que ça. Peut-être que je me trompe. Hein. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher tout au fond, ils vont carrément presque dans la combe après la forêt, ce que j'ai fait la toute première fois quand j'y suis allé. Ouais, Sylvain, un spécialiste de faire ça. Ouais. Sylvain, qui est donc un autre bon pote qui vole, qui l'a fait, pour le coup, lui, ce parcours-là, il l'a fait plus de 50 fois. Mais sur ce parcours, ouais, c'est un spécialiste d'aller chercher encore plus loin, d'aller chercher le plus loin possible. Mais si on regarde en fait la topographie, ce qui est important de remarquer, c'est cet engorgement-là. Cette vallée-là qui mène jusqu'à l'Échrenne à l'intérieur du massif des Bauges. On a un venturi ici. Et exactement, tu vas avoir un venturi qui s'engouffre. Et on a dit que globalement, même si tu étais en régime plutôt de nord, ici ça se transforme en ouest un peu sur Bange. Et ici, bah, ouais, on voit hein, cette étroiture, elle vient canaliser l'ensemble du flux. Encore une fois, c'est mon point de vue là-dessus, ça vient canaliser. Et c'est pour ça que c'est si important de faire cette laisse de chien ici. Si tu es en régime de sud, c'est arrivé le jour où je me suis vaché, on était en sud et les gens disaient peut-être qu'il faut se mettre plus devant l'épaule sur le début du mamelon et pas aller chercher trop loin. Et sur là, on a tous galéré en attendant des cycles, mais ce n'était pas aussi évident que quand c'est en nord. Alors si c'est vraiment, vraiment du sud, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà vu une fois. Mais j'ai déjà vu une fois et du coup, je me suis refait sur le mamelon sud ici. Au lieu de me mettre de l'autre côté en nord, je m'étais refait ici. Néanmoins, les déclenchements de brise vont quand même avoir lieu plutôt sur cette autre face, d'après ce que j'ai remarqué de mon expérience. Mais encore une fois, ce n'est que mon expérience, ma petite expérience là-dessus. Je me suis déjà refait ici et après, je viens reprendre la crête. Mais moi, j'ai toujours la crainte, si tu veux, de me faire flusher à l'intérieur de ce truc-là. Ouais, ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est flippant. Ouais. Toujours se mettre au vent de cette crête, c'est plus rassurant. Quand même. Et voilà, c'est plus rassurant. Et donc, en conseil pour des gens qui vont démarrer cette transition, je dirais plutôt d'essayer de manière générale, d'essayer d'aller choper... d'aller se mettre au vent et de choper la crête au vent. Ce qu'on en est sur l'histoire de la raccroche, on est souvent dans des petites conditions, on optimise vraiment des 0,5, des peines mouches parfois. Et est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner? Est-ce qu'il faut mieux rester bras haut pour sentir où elle veut se placer ou au contraire, il faut gagner du temps arriver sur les petites conditions sur l'épaule. Est-ce qu'il faut se mettre un petit peu au tout de suite minute de temps en temps pour gagner du temps en attendant un déclenchement ou au contraire, il faut la laisser voler pour sentir où est-ce qu'elle nous emmène? C'est compliqué, ça. Parce que des fois, on me dit, t'as tourné un peu trop tard, par exemple, ça bipait et t'as attendu, puis ensuite t'as tourné, du coup, t'es passé à côté de la bulle. Quand c'est des petites bulles, j'ai l'impression qu'il faut tourner vachement tôt. Je suis en train de travailler ça en ce moment. Si c'est vraiment du petit, d'après toi, comment est-ce que tu ferais, toi? Si c'est vraiment tout petit. Tout petit, il faut tourner presque tout de suite. Dès qu'il y a une bulle, il faut essayer de la... Il faut essayer de l'enrouler. Et comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça, en fait? Comment est-ce que tu vas pouvoir l'enrouler au plus petit? Au plus tôt? C'est toujours ce que je me demande. C'est avec bravo, j'aurai de la vitesse, donc je vais bien tourner. Non. Mais avec tout de suite mini, je vais moins dégrader, donc je vais optimiser ce petit truc. Quoi. Si tu te souviens de ta polaire des vitesses, globalement, si tu prends du frein et que tu es à tout de suite mini, effectivement, tu vas tomber moins vite. Tu iras moins loin. Est-ce que c'est grave d'aller moins loin quand on veut chercher le petit? Non, on s'en fout. On lutte.
Exactement, tu vas lutter pour ta survie. Donc globalement, c'est plus intéressant de prendre du frein de manière symétrique des deux côtés et après… Et après de relâcher. De relâcher. Et du coup, tu vas relâcher, tu vas biper, bip, bip, bip. Si tu sens que tu vas pouvoir enrouler, bah, clac, tu relâches ton extérieur pour pouvoir enrouler ton thermique. C'est plus efficace que d'arriver bras haut. Parce que bras haut, qu'est-ce qui se passe bras haut? Tu sens rien, tu sens pas la masse d'air, tu sens pas ce qui se passe. Ok, tu laisses ton aile faire, mais tu peux aussi la laisser faire quand tu prends du frein. Ouais. Réveille tes fesses, ouais. Tu vois, sens comment la masse d'air porte. Et ça, tu dois le sentir pendant ta transition en fait, avant. Même quand tu arrives dans les petites conditions derrière, mais il y a des gens qui sont bien plus spécialistes de ça que moi. Je suis pas vraiment… Là, on est sur du détail, hein, mais c'est, du détail, ouais. C'est à essayer quoi. Et alors ce jour-là, moi, j'enroule et toi, souvent, tu fais des 8. Donc, moi, ça a marché en tout cas ce jour-là. Dès que j'ai commencé à me faire brasser, je suis resté dans une zone qui m'a globalement décalé progressivement. C'est là où tu t'es fait brasser. Regarde le nombre de ronds que tu fais. Regarde la trace rouge en dessous. Juste, c'est du cheminement. Pim, pim, un Z, terminé. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai la vérité, hein, mais… là, tu t'embêtes à enrouler, tu arrives plus haut. Là, je vais être au-dessus, je veux pas être sur la forêt. C'est vrai Je comprends. Mais cette forêt, il faut bien t'imaginer le flux, en fait, de ce jour. Le flux, il vient taper dessus. Donc, tu sais que tu vas pouvoir globalement remonter en appui quasi dynamique dessus. C'est du thermodynamique. Ouais, hein. Plutôt que d'enrouler quelque chose, parce que enrouler va te consommer du temps, en fait. Va te consommer du temps, va te consommer de l'énergie, va te demander de te replacer, alors que ça va être plus efficace de glisser globalement sur cette arête en te disant, bah voilà, ça bip, tant que ça bip, je tourne pas. Je prends du confort, je prends beaucoup dans la tête, je prends beaucoup de marge. C'est la première fois que j'étais au-dessus de cette épaule-là, donc j'étais content d'être haut, je voulais continuer à être haut. Ouais. Et peut-être qu'en l'ayant fait 3-4 fois de plus, je vais être plus sur un glissé cheminement. Quoi. Ouais, tout à fait. Tac. Et tu vois, tu repasses par le bas et là tu rates. On voit là c'est assez typique. Attends, je vais revenir légèrement en arrière. Juste là. Voilà, quand on arrive là. Regarde bien. Tu descends, pim, tu montes. Et là, tu n'as pas vu que tu montais. Tu le vois ou pas? Pourquoi j'ai pas vu que je montais? Regarde. Mais je vois que je monte, mais je me suis pas arrêté, je sentais que c'était mieux. Ouais, et regarde, derrière tu te fais plomber. Ah oui. En fait. Et si tu regardes, c'est l'endroit où j'ai choisi de tourner. Tu vois, pour revenir en arrière, choper le truc. Parce que globalement, là, ça porte. Là, tu prends un super thermique ou thermodynamique. Ouais, je me suis peut-être dit, c'est le moment de cheminer et j'étais un peu entre deux. Je voulais me mettre au-dessus de la crête. Au moment où ça monte le mieux, t'as oublié le truc. Ouais. C'est le moment où du retour où peut-être que je me décale pas assez en ouest dès le départ. Là, je suis dans la découverte. Donc, t'es dans la découverte du retour. Tu n'es pas si mal placé, mais encore une fois, regarde, tu fais pas ta laisse de chien. Tu vois, tu fais une laisse. Donc, t'arrives assez haut, hein, c'est chouette. Là, c'est pas mal. Mais regarde, une nouvelle fois, tu te places potentiellement dans le venturier de ce machin-là. Tu perds de l'altitude en fait à te placer là, alors qu'en fait tu aurais pu faire ta laisse de chien ici pour venir taper, parce que tu le sais l'endroit qui monte sur Bange derrière. C'est quoi l'endroit qui monte? Bah, c'est ces falaises là, ou alors ici, là où tu es monté tout à l'heure. Ça remonte un petit peu. Ouais, ça remonte ici. Et donc quel est l'intérêt de venir à l'intérieur pour venir, je sais pas moi, Non, mais je vais finir sur le bas effectivement. Et tu vas te retrouver à finir sur le bas parce que t'as pas pris assez de marge en fait ici pour les conditions de ce jour-là. Bon, et peut-être un petit bonus pour nos amis qui ont eu la patience de rester jusqu'au bout. Si t'as un petit conseil à nous donner sur le cheminement, l'art de bien cheminer, de bien glisser, ben c'est à toi. Ah, il y a d'autres spécialistes, hein, sur le site de VRL notamment. Tu demanderas à Max, tu demanderas à Sylvain, c'est des artistes pour ça. Il y a le Street Race Challenge de VRL où l'objectif c'est de relier VRL au Semnose en faisant qu'un seul virage au bout du déco du Semnose. Donc ça, c'est typiquement un exercice de pur cheminement. Je t'encourage à le faire d'ailleurs la prochaine fois, à t'essayer à ça pour comprendre bien la glisse. Mais pour moi, le cheminement, il y a un truc qui est vraiment capital
capitale dans la manière dont on se positionne de manière générale dans sa sellette et la manière dont on prend ses commandes ou on prend ses C. Quand on chemine, on est très généralement très proche du relief. Mmh. D'accord. Donc pour des raisons de sécurité, ben on va essayer de pas être, de pas se faire surprendre par la masse d'air et pas se faire ramener près du relief. Ouais. D'accord. Donc moi, je vais avoir toujours tendance à, soit si je ne suis pas en train d'accélérer comme un sourd, comme je fais souvent, à être au deuxième barreau et envoyer, à être que au pilotage aux arrières, mais même au pilotage aux arrières, ça se fait, je garde de la sellette à l'extérieur, ouais, en permanence. Il y a longtemps, ça, effectivement. Ouais, et ça, c'est important. Tu gardes ta sellette à l'extérieur du virage et tu vas garder un petit peu de frein à l'intérieur. Donc, ce qui fait que tu vas pas craber, mais tu vas avoir, le parapente qui est légèrement de côté et tu vas compenser le frein que tu mets à l'intérieur par la sellette que tu vas mettre à l'extérieur. Donc, si tu as ta falaise à droite, tu mets un petit peu de frein à droite et de la sellette à gauche. Et à gauche, tu mets quoi? T'en mets moins ou... Juste, tu te mets au contact. Ouais. Tu te mets au contact. Et pourquoi on fait ça, d'après toi? Que dès que tu vas avoir un problème, quel qu'il soit, tu vas pouvoir relâcher ta commande à l'intérieur, si tu veux, où tu as la falaise à côté de toi, et du coup, prendre un cap qui est directement axé vers un truc qui est en sécurité, où tu es en sécurité. Voler en sécurité, ça c'est super important. On a beau optimiser, ça n'empêche pas de bien voler et de rester avec de la marge. Ouais, ça c'est sûr. Et on peut faire la même chose quand on est aux arrières. Mmh. Au pilotage aux arrières, on prend ses C, on essaie de toujours bien sentir avec ses C la tension qu'il y a dans l'aile, tous les mouvements de l'aile. Et au C, on fait plein de trucs, on peut tout faire au C, il n'y a pas besoin des freins, surtout quand on fait du cheminement comme ça. On peut temporiser son aile au C. Mais c'est surtout sentir aussi un petit peu à quel moment être en cheminement, à quel moment ça vaut le coup de bouger ou de faire demi-tour, etc. Ah, ça c'est compliqué, c'est tout un art. Ouais. Il y a quasiment, là, il faut en parler à Baptiste Lambert, hein. Pas ouais. À moi. Le Macready, lui, c'est son dada. Hein. Eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Petit débriefing. Voilà, ça me permet d'avoir un œil complètement nouveau. Et puis maintenant, faut augmenter un petit peu les kilomètres. Et puis, qui dit kilomètre dit être plus efficace, perdre moins de temps pour pouvoir se faire plaisir. Voilà. Exactement. Allez, ciao, merci. Ciao, à la prochaine. Merci Franck. Avec plaisir.